Salut les filles! Pourquoi ta tête elle est comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bougie, chose que je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. J'en ai entendu parler des centaines et des centaines de fois hein, sur les autres chaînes YouTube. Je m'installe. Et bien là, j'ai testé des bougies, donc je viens vous en parler. Et en plus, c'est des bougies totalement originales. Et j'ai trouvé ce concept juste génial. Et donc, du coup, je me suis dit, faut que je leur en parle. Faut que je leur fasse découvrir ce système. Et puis, bah, j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'est le site Jewel Candle. Donc, pour celles qui sont un minimum fortes en anglais, si elles divisent, ça fait Jewel Candle, donc bijou bougie. Et oui, donc en fait, dans une bougie, vous avez un bijou qui se cache. Et donc, lorsque vous faites fondre votre bougie, lorsque vous la brûlez, eh bien, il y a un bijou au fur et à mesure qui va venir, qui est enveloppé dans du papier aluminium. Donc, moi, j'ai pris trois bougies. J'en ai pris une. Donc, moi, c'est les. Ça vient de d'Allemagne. Et donc, c'est des bougies. De combien de grammes tu fais, mon petit? Bon bah c'est les gros pots quoi, hein, voilà. Donc j'en ai pris une cupcake, sweet cupcakes, donc c'est cupcake vanille, donc c'est celle que j'ai déjà fait voler. Qui sent vraiment le cupcake à la vanille. Ça donne pas envie de le manger parce que ça a l'air hyper sucré à manger, mais ça sent super bon. La bougie de base est présentée comme ceci avec un joli petit pneu papillon, la carte et tout, mais oui, celle-là j'ai déjà fait brûler, voilà. Et donc en fait vous avez un dessin qui montre où est le bijou, mais moi j'ai déjà retiré le bijou pour vous. Ensuite j'en ai pris une à la fruit de la passion, qui est jaune fluo. Voilà, donc la petite carte que je vous parle, c'est une petite carte qui vous permet de remporter une bougie en fait. Voilà. Donc, il faut savoir que les bijoux à l'intérieur des bougies ont une valeur de 10 à 250 euros. Donc, vous pouvez très bien tomber sur un bijou qui en vaut 10 ou un bijou qui en vaut 250 ou un qui en vaut 70. Hein, voilà. Et à chaque fois, dans le bijou, en fait, c'est dans un petit pochon et puis en plastique et puis il y a une certification de l'argent ou de l'or. Voilà quoi. Donc, celle-ci, elle sent la passion. Donc, oui, ça sent vraiment la passion. Je trouve qu'elle sent très très bon. Donc je ne l'ai pas encore brûlée. Et on peut voir que le bijou se trouve ici, dans l'aluminium qui est là. Et enfin, j'ai pris, je crois, ma préférée niveau couleur. Mais la senteur, je ne sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. La True Love. Donc il y a un petit dessin à chaque fois. La passion. Là, le cupcake. Et là, l'amour. Alors elle sent. Je dirais pas que c'est ma préférée, je pense que ma préférée, je sais pas. Elle est bizarre parce qu'elle sent, oui, elle sent la sensualité, la chaleur. Elle sent l'amour. C'est trop, c'est bizarre à dire. Ma bougie, elle sent l'amour, là. Et toi, ta bougie, elle sent quoi? Oh, ma bougie, elle sent la peine. Non, ça sent bon. C'est une odeur de bougie que ma mère devait mettre souvent, chez moi quand on était à ma maison. Bref, donc elle sent pas mal et la couleur, moi j'adore. Et donc là, le bijou est ici. Donc là, c'est une bague. Vous pouvez voir. Là, c'est un pendentif. Et là, c'est également un pendentif. Donc j'ai déjà eu le bijou de la bougie blanche. Et en fait, vu que la pâte de cire est assez molle, bah, j'ai mis les doigts dedans. Et je l'ai récupéré. Donc j'ai eu le petit pendentif en papillon. L'argent, c'était écrit les certifications, mais je ne l'ai pas gardé. Trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Et ma mère a adoré, du coup, je lui ai dit, prends-le. Donc voilà. Je suis très très tentée de découvrir avec vous la bague. Mais bon, après, ça abîme la bougie de mettre le doigt dedans, mais quand vous refaites sentir, enfin, quand vous refaites brûler la cire, bien entendu, ça se remet bien. Mais ouais, j'ai très très envie. Donc, bah, je vais essayer de le prendre, mais c'est un peu dur là en fait. Donc je viens de tuer ma bougie, mais bon je me dis quand je vais tout refaire fondre ça va revenir en bon état. Mais voilà, j'ai un peu saccagé pour pouvoir vraiment, c'est pour vous montrer, sinon ça me tue un peu le cœur de faire ça. Mais bon, moi ce que je vous conseille, c'est quand vous faites brûler la bougie, bien sûr c'est d'attendre que tout simplement la bougie se consomme jusqu'au bijou,
Voyez, c'est pas super long, le bijou est là. Donc bon, vous la faites consommer à 5 heures, c'est bon quoi. Et encore, j'ai perdu le pendentif. Et puis de toute façon, dès que la pâte est molle, vous arrêtez de la brûler, vous pouvez mettre votre doigt, ou moi j'ai mis ma pince et puis bon, je regrette un peu. Donc c'est dans du papier aluminium comme ceci, et après vous avez le pochon où il y a la bague. Donc on n'a pas trop envie d'y mettre les doigts parce qu'on va avoir les doigts tout sales. Oh, elle a l'air trop jolie. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Je vais le couper, je crois, le petit truc, parce que... Je sais pas comment faire. Mais là, j'ai les doigts sales. J'ai ma pince épilée qui est toute sale. Donc là, le bijou est bien en sécurité. Il n'est pas rempli de cire. Hein. Mais par contre, vos doigts sont sûrement... Vous pouvez pas échapper, quoi. Vous allez avoir de la cire. Petit point négatif. Donc là, la bague, je vais l'extraire. Je vais pas la toucher. Je vais aller me laver les mains. La bague ressemble à ceci. Je la trouve vraiment jolie. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas le petit truc au milieu parce que c'est une bague comme ça que je veux depuis trop longtemps. Avec un rond. Enfin, en gros, je veux une bague comme mon collier, quoi. Mais vraiment, je la trouve trop trop jolie. J'aurais, comme je vous dis, aimé qu'il n'y ait rien au milieu. Donc c'est un rond avec des petits trucs, un petit anneau au milieu. Je la trouve trop belle, elle est toute fine. Et donc c'est 925 sterling silver. Donc on n'a pas la valeur après de combien ça vaut et tout. Ça, faut peut-être se renseigner. Vous êtes où mes ciseaux? Vous faites chier, vous n'arrêtez pas de disparaître et moi je n'ai plus quoi faire. J'ai tellement de choses dans ma chambre que je voudrais enlever ce fil, voilà. Enfin, je la trouve trop belle. Alors, elle est un petit peu grande à mon doigt là, mais j'ai les doigts plus forts ici, voilà, parfait. Très jolie, très raffinée, je la trouve, mais trop jolie. En fait, je suis trop contente d'avoir niqué une bougie pour avoir ça, quoi. Il y aurait pas de truc à l'intérieur, vraiment, là, je serais amoureuse. Donc voilà, donc c'est des bougies qui pour moi sont parfaites à offrir à des amis en cadeau. Vous êtes invité le soir, vous achetez cette bougie là, vous la ramenez, c'est quelque chose déjà de esthétiquement très joli. Une bougie, ça fait toujours plaisir, c'est toujours un élément de déco, vous avez des senteurs, vous pouvez vous éclater. Et puis en plus de savoir qu'il y a un petit bijou à l'arbre, c'est complètement fun et c'est un cadeau qu'on n'oublie pas. Donc voilà, que ce soit pour un anniversaire, pour Noël, pour une journée, vous êtes invité chez des amis ou quoi que ce soit, je trouve ça génial. Si ça vous intéresse, j'ai réussi à vous dégoter. La marque m'a gentiment proposé un code de 20% jusqu'au 1er octobre. Donc quand vous commandez, vous faites votre panier et dans le code de réduction, vous tapez Manu20. Voilà, Manu avec un E, de toute façon tout a été écrit ici. Et donc vous aurez un code de 20% valable jusqu'au 1er octobre. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et j'espère que ces petites bougies vous intéressent comme moi, elles m'ont intéressée. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.